Retrouvez Noël Mélier, alias Jackie Kitsch. Régis, tu m'entends là? Il arrive. Vous voulez juste chanter du Mick Brandt? Artiste, alors, humoriste, rigolothérapeute. Qui s'appelle C'est Marie-Pierre. C'est une copine. C'est pas une vedette, hein, je peux te le dire. C'est une Brandt. Ma mère aime tricoter des pulls avec les échantillons de laine du catalogue de Bergère de France. Tout le monde a vécu son histoire. Un voyage exceptionnel dans les années 70-80. Vous, 3 ans, étiez trop petit, fallait que je le donne à ma sœur. Et les chiffres et les lettres, qui c'est qui les a inventés? Véritable monument hystérique. Vous pleurerez de rire et d'émotion avec un humour sans vulgarité. Le premier gars qui trouvait un mot sur le bord de l'assiette avait le droit de manger sa soupe chaude. Moi, je la mangeais souvent froide. Il y avait plus de consonnes que de voyelles, jamais les deux en même temps. On prenait notre bain une fois par semaine. Fan de Maï Brandt, il vous transporte dans sa jolie arruite majeure et personnalise son spectacle avec les invités de la salle et les villages aux alentours. Je vais te dire un truc, valait mieux passer le premier. Hein. Parce que quand tu passais le dernier, je peux te dire qu'il y avait des yeux sur la soupe. Hein. Si tu réclamais pas dans le magasin, t'avais rien. Vous serez au cœur de l'action. T'avais rien non plus. Et si tu pignais parce que t'avais réclamé, t'en prenais une deuxième en promotion pour arrêter de pigner. Quand on était malade, pas question d'appeler le toubi, hein. Ah non, la grand-mère. Cet artiste est dangereux pour vos zygomatiques. Attention aux effets indésirables. Éclat de rire, larmes à l'œil, rougeur de plaisir, buée sur les lunettes. Mais alors le matin, quand on se réveillait, alors là, alors là, le matin, alors là, on était toujours malades. One Man Show, le spectacle de Jackie Kitsch, bientôt chez vous.